Silence. On va voir maintenant comment gérer les attributs et les caractéristiques de vos produits. Pour cela, vous allez sur Catalogue et Attributs. Pour créer un nouvel attribut, on clique sur Ajouter. On va dire taille chaussure, par exemple. J'enregistre, je suis là, et là je clique sur plus et je vais rajouter des valeurs, valeur 38, par exemple, quarante et un et quarante-deux, je vais m'arrêter là. Voilà, et là. Et l'ensemble de ces attributs, vous pourrez les retrouver sur les produits. Produits avec déclinaison. D'accord? Il a rajouté ici.